Eh bien salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien sur cette magnifique vue. On se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre incroyable aventure sur Sons of the Forest, la saison 2 bien sûr. J'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver dans ma maison. Voilà, on est plutôt pas mal, on va fermer les volets pour la journée. Hop, aujourd'hui on va se régaler, on va se régaler. D'abord on va parler des commentaires, on va parler de ce que j'ai pu faire en off. Ça rejoint un petit peu les deux, vous allez très vite le voir. Les amis, quelqu'un m'avait suggéré. Mais là, j'ai jamais fait de vraie fenêtre. Là, je suis en train de réaliser. Je suis en train de réaliser que j'ai jamais fait de fenêtre ici. Merde! Je me suis trompé de hauteur. Je suis trop con. Bon, bah, c'est pas grave. On va aller se faire foutre. C'est pas grave. Il suffit juste de. Alors, attendez. Attendez, juste. N'oubliez pas le pouce bleu, bien sûr, pendant que je fais ça. Ceux qui font ça, vous êtes les boss. Ceux qui mettent des likes pendant les moments bûcheronnage, voilà, grosse pensée à vous. Eh ben c'est très bien comme ça. Voilà, c'est très bien comme ça. Voilà. Alors, on m'avait suggéré en commentaire de faire des murailles en pierre pour se protéger. Alors, oui mais non, parce que de 1, c'est beaucoup plus chiant à faire. Alors que avec le bois, bah, l'avantage c'est qu'on peut tout déforester. D'ailleurs, j'ai fait des nouvelles réserves. Donc là, vous voyez, on a vraiment. Enfin, Calvin et moi, on a vraiment. Bien détruit, vous voyez là-bas comment c'est. Voilà, ça commence à être très sympa et je pense qu'on pourra même construire des trucs. Hein. C'est. On voit super bien. Putain, je viens de postillonner, incroyable. Ah! Putain, mais il est con lui! C'est parce que j'ai soif. Alors, du coup, vous voyez, j'ai entouré ma base. J'ai enfin entouré ma base. C'était pas prévu, vous allez me dire. Mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait. J'ai absolument entouré ma base au niveau de l'eau. Parce que quand l'hiver viendra, messieurs, dames, je vous le dis. Quand l'hiver viendra, on va être dans la merde. Parce que l'eau va geler, d'accord? L'eau va geler et on va être encerclé. Tout simplement, les ennemis vont marcher sur la glace et on va être dans la merde. Donc j'ai pris les devants. J'ai pris. D'ailleurs, j'ai du bois en trop là encore du coup, parce que j'avais mal réfléchi en fait. Hein. J'avais mal calculé mon coup. J'ai pris les devants et au moins, on sera enfermé. Et avec le bois, l'avantage de faire ça avec le bois, vous voyez, c'est que c'est haut. Les méchants ne peuvent pas escalader. Et voilà, parce que le problème des murailles en pierre, c'est que les mutants peuvent escalader. Donc faire attention à ça. J'ai Calvin qui a un problème. Calvin, rentre. Comment j'ouvre? Calvin, viens voir mon ref. Aussi, la guerre est déclarée. Hein. Alors j'ai pas pu vous filmer ça, mais la guerre est déclarée. Hein. Les indigènes m'ont frappé, hein, ça y est. Hein. Voilà, sachez-le, aujourd'hui nous sommes au jour numéro 9. C'est le jour 9. Voilà. Et eh ben les indigènes m'ont frappé hein. Voilà, et je me suis fait attaquer hein. Donc pendant que j'ai fait ma muraille j'étais un peu dans la sauce hein. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment bien enfermé. Maintenant tout le monde me veut du mal. Sachez-le. Il n'y a plus d'être gentil. Trop bon trop con. C'est comme avec les meufs. Tu reviens vers elles et voilà. Allez du coup hop, je vais juste récupérer le bois. J'entends des drôles de bruit. Voilà, je vais juste voilà, récupérer le bois. On va en profiter pour faire du stockage. Vous avez vu, j'ai pas mal de... Ah oui. Alors, avant de partir en expédition. Avant de partir en expédition, les amis. Je voulais vous montrer. Voilà, j'ai un petit peu enlevé les... Là, je peux pas enlever plus de bûches. Si j'enlève des bûches, tout s'effondre. Je ne peux pas. Mais j'ai enlevé tout ce que je pouvais enlever. Donc, ça nous fait un petit terrain. Où j'ai pu mettre, vous voyez, l'étendoir ici. À l'abri. Je trouve ça super sympa. On va faire pareil. Vous entendez ce bruit? C'est quoi ce bruit là? Bah, je suis complètement con ou... Non mais j'entendais des bruits de pas en fait. Alors les bruits de crapaud oui bien sûr. Mais j'entendais des bruits de pas dans l'eau. Je suis juste complètement parano. Voilà. Mais voyez, on est un peu en sécurité, j'aime bien. Donc ouais, on va essayer de s'établir un petit peu, un petit coin sympa. Je voulais vraiment pas tout faire en off. J'ai vraiment fait le truc chiant de faire les murailles en off. Mais là, on va faire ça ensemble en vidéo, un petit peu, un petit aménagement. C'est toujours sympa. Est-ce que... Mais c'est Calvin qui doit faire du bruit, je pense. Hein. Voilà, je pense que je vais placer ça là, comme ça. Ah non, il y a bel et bien des méchants. Hein. J'entends bien des fous, là, en train de crier. Hop, voilà, on va mettre ça là, comme ça. Très bien. Vous avez vu ce qui vient de se passer là? Ah voilà. Donc je ne suis pas fou. Voilà, je ne suis pas fou. Alors comment dire? Toi t'es mort?
Voilà. Bon, donc vous avez compris pourquoi je me suis enfermé, hein. Voilà. Vous avez compris pourquoi je me suis enfermé. Eh, je suis quand même. J'ai eu le bon timing, hein. J'ai eu le bon timing parce que là. Attendez, je vais juste poser. Ah! Putain. Va falloir qu'on fasse des pièges aussi dans cet épisode, hein. Dans cet épisode, on va faire des pièges, hein. Ah! Oh là là. Je me chie dessus. Quoi? Non, c'est une blague. Monsieur, comment vous avez fait ça? Ok, d'accord, bah je viens d'apprendre un truc. Ok. Alors toi, ni une ni deux, je te bouffe la queue. Alors par contre, j'étais ingénieux, hein. J'ai usé qu'une seule balle. Ok, bon du coup, vous avez compris, il faut faire des pics. Parce qu'ils peuvent escalader. Et je ne savais pas. On va manger un coup là. Coup de viande, ok, je peux manger cette viande là. Je suis en train de me chier dessus parce que j'entends des bruits comme jaja autour de la base. C'est un truc de ouf. Alors j'ai vraiment hâte qu'il pleuve. Également je trouve ça fou parce que le jeu est quand même relativement dur. Parce que au final là ils peuvent pas détruire mes constructions parce que j'ai réglé ça dans les paramètres. Voilà, je suis une tapette, je vous le dis, voilà, je vous le dis, je l'assume, hein, on a fait ça ensemble. Et voilà, les constructions ne peuvent pas se détruire normalement. Donc imaginez-vous là, à chaque fois qu'ils frappent les indigènes là, à chaque fois qu'ils frappent nos constructions, à tout moment ça pourrait se détruire. Et je peux te dire que là tu passerais ta vie à faire des pièges, à reconstruire et nanani et nanana. Donc en fait le jeu est vraiment difficile. Tous ceux qui disent que le jeu est trop facile, eh ben n'hésitez pas à faire en sorte dans vos paramètres que les constructions se détruisent. Et vous verrez, le jeu est très très hard, hein. Parce que là on est vraiment tranquille. Et même en étant tranquille, c'est un peu terrible. Alors j'ai vraiment voulu, j'assume, hein, mon choix, hein, de faire en sorte que mes constructions soient incassables par les méchants. Parce qu'à un moment donné, quand tu vas faire des belles maisons et tout, si c'est pour après te... Ah et oh, la flemme de ouf quoi. Franchement la flemme de ouf. Je suis pas là pour me prendre la tête. Clairement on est vraiment là pour s'amuser, hein. Voilà, travail terminé. Alors oui, du coup j'ai enlevé je l'ai pas mentionné mais vous l'avez vu, j'ai enlevé ici là l'accès que j'avais fait, hein. J'avais fait évidemment un accès qui menait bah, justement à la passerelle que vous voyez là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, Calvin? On se fait attaquer, c'est ça? Voilà, on se fait attaquer. Donc vous voyez, là il pourrait absolument détruire le truc. La flemme quoi. Bon, on va mettre des pièges tout autour. Ce qu'il faudrait qu'on se fasse aussi, c'est une sorte d'accès. Vous voyez, pour que je puisse faire ça par exemple. Là. Bah genre là, globalement, attendez, bah là j'ai ce qu'il faut, mais on va se faire quelque chose de propre. Dégage-toi. J'ai un pistolet, tu vas faire quoi? J'ai un pistolet, tu vas faire quoi? Bon, j'ai absolument pas de munitions. Oh si, attends, j'ai des munitions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, allume la lumière, toi. J'ai le pistolet, mais j'ai pas de munitions. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ok. Cocktail de santé, mélange énergétique. Très bien, je peux crafter des trucs de ouf. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? J'ai pas un arc? J'avais pas un arc une fois? Si, j'ai un arc. Hop là, j'ai un arc, mais j'ai pas de flèche. J'ai pas de flèche. Alors on prend des plumes. On me prend des bâtons. Et flèche de pierre. Des petites pierres. Où c'est qu'il y a les petites pierres? Normalement j'ai des petites pierres. Ici. Voilà, on se fait des petites flèches. Et là les gars, on va être plutôt pas mal. Là on va être plutôt pas mal. Je vais enchaîner, voilà, on va en faire plusieurs, hein, si déjà. On va pas y aller par quatre chemins. Et alors là mon pote, à la compote. Oh putain, ça aurait été magnifique ça. Oh, je t'ai fait peur, hein. C'est vraiment bien fait. Franchement l'intelligence artificielle là, elle m'épate. Elle m'épate. Regarde, t'as vu sa réaction? Oh, dans la tête presque. Ah bah voilà, dans la gueule, littéralement. Énorme. Énorme. Bah je vais brûler des cadavres, hein. De toute façon maintenant la machine est lancée, j'ai envie de vous dire. Donc là vraiment on va faire des pièges, hein, tout autour de la base. Je sais pas s'il y a des pièges. Alors il y a des nouveaux pièges, mais est-ce qu'il y a des pièges de type automatique qui n'ont pas besoin de se rétablir enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. D'ailleurs je vais juste faire un truc. Le feu on va plus le mettre là. Hop, ça dégage. Bon, il se cassera tout seul. Même si c'est pas forcément, vous allez me dire, très réaliste, hein, de faire ça en dessous du bois. Mais je trouve que au moins ici ça fait coin safe, coin chill, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'en ai rien à péter.
Je vais faire mon feu ici. Dites-vous qu'il y en a qui font leur feu à l'intérieur de leur maison, hein, donc bon, moi je pense que ça va. Ouais, ici c'est pas mal. Ici c'est vraiment pas mal. Le petit feu, imagine ça prend feu au-dessus. Et genre j'étais pas au courant. Ce serait très rigolo. Tac, voilà, on va pouvoir mettre les pierres tout autour. Voilà, t'énerve pas, ça va bien se passer. Voilà, t'énerve pas, je rappelle. Voilà. Et on a du bois de chauffage. Bah déjà, écoute, on va prendre ça, ce sera pas mal. On va couper en deux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit là? Et on va pouvoir mettre dedans. Merci à vous les gars pour l'astuce du bois de chauffage, hein. Franchement c'est mortel. C'est quoi ces bruits d'eau qu'on entend depuis tout à l'heure là? Pardon? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? J'ai jamais vu ça. C'est des nouveaux mutants? Par contre mes stocks de bois ça me permet de faire mon escalier que j'imaginais. Pour pouvoir ma tour de guet quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends mais il y en a plusieurs qui viennent. Mais attends. Ah non mais c'est des cannibales, c'est bon. Ah je croyais que c'était des boss. C'est juste des cannibales qui ont morflé en fait. Énorme. Énorme. Alors écoutez, ça va être très simple. Voilà, ça s'est fait ça. Hop, dans ta gueule. Dans le dos, pardon. Bon après les cannibales entre nous hein, c'est pas non plus où c'est que j'ai mis le cadavre du mec? Attendez, mais j'avais un cadavre avant. N'aie pas peur, Kelvin, on est en sécurité normalement. Bon, normalement j'ai un cadavre ici. Mais attendez, j'ai perdu mes cadavres. Là. Hop, au bûcher. Ouais. D'ailleurs pour ceux qui demandent de me faire une maison sur pilotis sur l'eau, alors on pourra que faire ça à partir du moment où il y aura du verglas, où il y aura du gel. Mais en même temps je suis pas convaincu que j'en ai vraiment envie parce qu'on va être plus embêté qu'autre chose. Mais on verra en fonction d'eux. On verra en fonction. Ça peut être une chose. Ils se sont tous noyés hein. Ils se sont tous noyés les gars, regarde. Incroyable, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Je vais vous montrer aussi un petit peu ma déforestation. Attendez, il faudrait que je trouve ma porte. Il faudrait que je fasse un repère pour trouver ma porte aussi. Enfin, on va faire plein de trucs là, les gars. Hein, vous inquiétez pas. Hop, ça part au feu. On récupère les os. Voilà. Est-ce qu'on peut se faire du coup une armure en os là? Ce serait pas mal. Hein. Ce serait vraiment pas mal avec tout ce qu'on a là. Donc, je prends les os. Il me faut quoi? De la corde. Et du Shetterton. Voilà, là on va pouvoir se faire quand même pas mal d'armure en os avec tout ce qu'on a, c'est cool. Histoire de se protéger un petit peu. Alors on va pas s'équiper tout de suite, je pense qu'on va miser ça sur les grottes. Mais au moins voilà. Puis on a encore un stock d'os juste à côté. T'es venu par où toi? Et j'espère que t'as pas escaladé les murs parce que ça veut dire que c'est pas bon ça. Ouais. Du coup pareil, on va juste faire les armures rapidement. En tout cas les gars, bah, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Comme dit, ne vous attendez pas forcément à deux épisodes par semaine. Franchement là, cette semaine c'est exceptionnel. J'avais vraiment le temps et l'envie en plus forcément. Donc voilà, j'ai pu me permettre. Mais ne vous attendez pas forcément, voilà. Tous les samedis, on essaye de se retrouver. C'est déjà, je pense, relativement pas mal. Voilà, je vais mettre les os ici. Il faudrait qu'on se fasse des repères du coup. Est-ce qu'on peut faire des torches? C'est une vraie question ça. Est-ce qu'on peut poser des lampes torches ou pas encore sur le jeu? Je ne pense pas. Regardons ce qu'on peut fabriquer. Ah si, torche murale. Impec. Donc ce qu'on va faire. Alors attends. Ouvre-moi ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une torche murale ici. Attends, parce que là ça pue la merde. Attends, je vais fermer la porte. Ferme la porte. Dépêche-toi. Voilà. Comme ça. Qu'est-ce qu'il veut lui? Comme ça je sais que la porte d'entrée est là, tu vois. Et je panique pas. Oh bien vu! Trop fort le mec.
Non, franchement, ils ont amélioré l'IA, c'est vraiment impressionnant quoi. Voilà, non, mais sans déconner, hein. Qu'est-ce que tu veux? Trop fort. Hop là! Oh, j'ai one shot! Énorme! Après, si tu places bien ta flèche, en vrai, ça passe de ouf, hein. Par contre, j'aimerais bien la récupérer. Voilà. Ouais, l'oiseau, il m'a fait trop peur. Est-ce que. Là, ce que je suis en train de faire, là, c'est un peu cheaté, là. Genre, je peux sauter par-dessus. Attends. J'espère que les indigènes, ils peuvent pas faire ça. Bon, ce sera vite vu. Mais c'est un petit peu embêtant, quoi, s'ils peuvent faire ça. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme piège aussi, du coup, là? Meubles, très bien, très bien. On va refaire une réserve d'os, d'ailleurs. Ici, c'est très bien. Merde. Voilà. On va attendre que ça brûle tranquillement. Il faudrait du tissu pour terminer le... Deux amanites. Alors, j'ai récupéré du champignon. On va le goûter parce qu'on connaît pas les effets du truc. Myrtille. Shiitake. Amanite, tu mouches. Ah, tout ça, il nous faut une casserole. Non, il nous faut vraiment une casserole pour faire de la cuisine, les gars. J'insiste, on va se faire des festins, mon pote. Dès qu'on pourra, on va se faire des festins. Mais il faut. De toute façon, aujourd'hui, on va repartir. Hein, durant cet épisode, on va repartir à l'aventure. Il faut absolument qu'on trouve. Une marmite, hein, tout simplement. Une casserole, enfin, ce que vous voulez. Alors. Chemin rocheux, collecteur de pluie, bien sûr. Vivement qu'il pleuve. Cheminée en pierre. C'est bien mignon, c'est une cheminée en pierre. Traîneau à bûche, jardinière sur pied, jardinière murale. C'est vrai qu'il faudrait qu'on se fasse aussi des jardinières. On va juste se faire peut-être de la jardinière, ouais. Mais c'est vrai que je verrais bien ça là. C'est pas forcément safe ici. Je verrais bien ça là. C'est un peu penché là. Hein. Mais ouais, histoire de planter ce qu'on a récupéré quoi. Voilà, le terrain il est pas terrible. Ah, comme ça. Voilà. Kelvin. Kelvin. Oh, c'est adorable ça, Kelvin. Mais c'est pas le moment de faire la pause, hein. Oh non, tu retrouves pas bloqué, s'il te plaît, hein. La flemme, hein. Termine la structure. Voilà, comme ça, il va faire ça tout seul comme un grand, c'est impeccable. Je te remercie d'avance. Je vais directement placer, d'ailleurs, deuxième à côté. Si c'était possible. Et ça me semble possible. Magnifique ça, ça va être très beau. Voilà, ceci étant dit, ceci étant fait. Piège. Alors piège à bestioles. C'est vrai qu'il y a pas mal de lapins là. Il y a pas mal de lapins qui passent par ici. Donc on va en profiter, on va mettre un petit piège à lapin. Et c'est vrai que les lapins passent beaucoup par là. Donc on va en placer une ici. Un piège à lapin là. On peut toujours pas faire de cage à lapin. Tu vas me dire. Donc ça sert pas à grand chose. Je vous montre un petit peu la déforestation qui a été faite. Alors Kelvin, il est allé un peu à droite à gauche. Il a aussi coupé, bah vous voyez là en face. En face vous voyez les troncs vides un petit peu. Il y a plein de lapins là. Donc ouais, il a un peu coupé derrière. C'est peut-être pour ça que les indigènes sont fâchés. Et là vous voyez tout ça maintenant c'est vraiment propre. Et là c'est plat. C'est magnifique ici. Franchement c'est magnifique. Là on a moyen de se construire des trucs aussi quoi. Mais je pense qu'on pourra se permettre des constructions là. Là c'est vraiment notre première base là, mais on pourra toujours très bien s'étendre et faire un truc ici quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être très très bien. Mais ça peut être très très bien pour faire un piège là aussi d'ailleurs. Sur ces grands espaces. Piège de Feather Dos, piège à mouche. Ça c'est le nouveau piège donc qui a été ajouté, le piège Oké Poké. Écoutez, on va en placer un là. Donc il nous faut des bûches, des bâtons et de la corde. Très bien. Très très bien. On va découvrir ce piège, on va en placer juste à côté de la base parce que clairement là c'est absolument terrible. Et on va voir comment ça va se présenter. Je me chie dessus, bordel. Allez, on va prendre les bûches. On va crafter ce truc là. Première fois que je le fais les gars.
Nouveauté de la mise à jour. Ok. Allez, encore deux petites bûches. Il va où, Calvin? Ah, il va chercher des bâtons, le mec. Je mets les cordes. Je mets les pierres. Alors, les pierres, bon, il faut que j'en récupère. Mais c'est les oiseaux qui font des bruits aussi, hein. Bon, là, il y a de la pierre. Là, il y a de la pierre. Non, ça, c'est du caillou. Faire attention, il y a différents types de pierres. C'est compliqué, hein. En vrai, de vrai, c'est un peu chiant, hein, de différencier tous les trucs. C'est absolument terrible. Voilà, ça, c'est pas la bonne pierre. Hop, on fait des ricochets, hein. Nous, on adore ça. Voilà, il me faudra des bâtons aussi, ça, c'est clair. Tiens, je récupère ça aussi. Les petites plantes, les petites fleurs. Non, ça c'est des petits cailloux, on s'en fout. Ce qui est bien, c'est que j'ai laissé ouvert ma base, hein, donc là à tout moment je rentre à la maison et on me souhaite la bienvenue, quoi. Mais il y a des lapins partout, c'est incroyable. Voilà. Allez, récupère les bâtons, un petit effort encore. Ah, je suis pas à l'aise, hein. Je suis pas forcément à l'aise. Alors j'ai peut-être assez de bâtons là. Je devrais avoir assez de bâtons. Moi, ce qu'il me faudrait, c'est des pierres. Pour le coup. Des vraies pierres. C'est pas vrai, ça. On se fout de moi. Ah. Oh là 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 là, le lapin. Oh, il me faut encore 6 pierres. Calvin, tu m'as fait peur. Il a fini la construction là ou il se touche le zizi là? Voilà, je viens de claquer tous les bâtons pour rien. On va planter graines de myrtille. Voilà, comme ça on aura toujours de quoi manger. Mais là il y a des pierres. Terminé. Mais non, mais t'as rien terminé, toi. Fais. Termine la structure. Bon, tu comprendras tout ce qu'il faut faire, j'espère. Ah, j'ai besoin de toi, Calvin, hein. J'ai pas un petit soda sur moi là? Allez, on va boire de l'alcool. On peut pas boire de l'alcool, d'accord. Sur The Forest, on pouvait boire l'alcool. Je suis dégoûté. Je dis pas ça parce que je suis alcoolique, hein. Ah, mais là, il y a de la pierre. Ben voilà. Allez, encore deux pierres, on peut le faire. On peut y croire. Là, il y a des bâtons. Bah, tiens, je vais boire aussi. Je me suis renseigné sur internet aussi, hein, j'avais bien raison et c'est absolument terrible, mais il n'y a qu'une seule façon de boire de l'eau potable venant des sources coulantes, bien sûr, je ne parle pas de la pluie, bah c'est tout simplement de faire chauffer l'eau tout simplement dans une marmite, mais ça c'est ce que j'avais dit et malheureusement il n'y a pas d'autre raison, pas d'autre possibilité je veux dire, donc un petit peu compliqué. Heureusement on va pas finir par avoir la chiasse sur ce jeu parce que sinon ça serait très compliqué si on avait la coulante à gérer, bien sûr. Ça aurait été terrible. Allez, le piège est bientôt fini. On récupère les quelques bâtons qui nous restent à récupérer. J'aime pas du tout. Vivement que là on va tout déforester, les gars, vraiment, hein. Il restera plus rien. Et là on verra tous les indigènes qui se cachent. Parce qu'à mon avis il y en a pas mal qui se cachent, hein, si vous voulez mon avis. Et on ne les voit pas forcément. Et je peux vous assurer qu'il y en a un qui me regarde là. Je suis sûr que si vous mettez pause et que vous regardez bien, vous en voyez, hein. C'est obligé. Allez, on va espérer que 5 bâtons c'est suffisant. Allez, hein, il en reste plus que 2. C'est pas grave. Hop. Voilà, le piège est terminé. Alors comment ça se passe? C'est une bonne question, je ne sais pas du tout. Voilà, comment l'activer? Est-ce qu'il s'active tout seul? J'ai pas envie de faire le test en vrai, hein. J'ai pas forcément envie de faire le test. Je pense que si tu passes, ça doit déclencher un mécanisme. Voilà. Bon. Alors. Ce qui est pas mal, c'est qu'on est dans un camp indigène. Est-ce qu'il y a une marmite? J'ai pas perdu le nord, hein. J'ai pas perdu le nord, mais je ne vois pas de marmite.
Tout ce que vous voyez là, ça ne peut pas être récupéré normalement. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ouais ouais. J'ose même pas me détacher, allez. C'est horrible. Je sais pas où est ma base, je sais pas où je suis. Ok, la base est à côté. Ok. D'accord. Bon, je comprends mieux pourquoi il y a des indigènes pas loin maintenant. Bon, au moins on a trouvé un village. Alors, est-ce que j'ai des médocs? Est-ce que j'ai des putains de médocs? J'ai pas de médocs. Est-ce que je peux fabriquer des médocs? Cocktail de santé. Attendez, est-ce que j'ai de l'aloe vera? Chicorée, c'est des montres ça. Myrtille, graines. Aloe vera. Prêle. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Je l'espère. Cocktail de santé. Magnifique, on mange. Voilà, et là on est full vie. Je suis un génie, voilà, sucez ma bite. Voilà, bon, d'accord. On est ici. Eh ben vous voyez, je comprends mieux pourquoi il y avait plein de méchants par ici. Alors, j'ai deux bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait où aller dans quelques minutes pour visiter, n'est-ce pas, un village. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ce truc n'a pas été actionné et qu'il m'a one shot. Donc ça sous-entend deux bonnes nouvelles. C'est que une fois le truc en action, ça devrait tuer tout le monde. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que je suis sûr qu'il y a moyen, avec l'inclinaison du terrain, que les mecs, qu'il n'y a même pas besoin d'actionner le machin pour se... Tu vois, si je fais pas attention, je pense que je peux mourir encore là, tu vois. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà, il est 16h09. Salut à toutes et à tous, il est 16h. Nous sommes le jour 9 toujours, bien sûr. Donc, on partira demain dans le village. Si on n'a pas de la visite entre temps, on va juste voir du coup si on peut pas enchaîner d'autres pièges. Pièges à ressort. Ouais, mais il faut une carapace de tortue que je n'ai pas. Ça, je sais pas du tout à quoi ça sert, mais on va mettre. Voilà, je peux pas mettre ça où je veux visiblement. D'accord. On va mettre ça là. Ah. Calvin ? Qu'est-ce qu'il fait Calvin ? Ah, il cherche des bâtons dans l'eau. Alors si vous regardez bien, normalement vous allez voir nager. Voilà, regardez, il nage ! Calvin nage ! Il sait nager ! Voilà, chose qu'il ne savait pas faire avant. Oh, des poissons ! Hop là ! Et de une, et de deux. Allez, deux poissons pour moi. Ouais, du coup c'est cool. Il nage. C'est pareil le patch, je ne sais plus combien. Le dernier là, le 8 si je dis pas de bêtises. Et ça c'est cool. Allez, on va rentrer là. Je me chie ma race. Il se passe beaucoup de choses durant cet épisode et ça me plaît. Voilà. Voilà, on a un piège qui a été fait. Qui a été bien caché, on verra si c'est efficace ou pas. Quel autre piège on peut faire? Il n'y a pas grand chose encore hein, pour le moment hein. Mais bon, c'est déjà ça. Je vais rentrer à l'intérieur, Calvin tu te démerdes hein. Attends, je vais attendre que tu viennes. Parce que tu m'as l'air un peu idiot. Voilà, au dodo. Vous êtes en train de mourir de faim, t'inquiète, j'ai du poisson. Bah, on va directement faire cuire d'ailleurs le poisson. On va se faire un festin, mon pote. Hop, hop, et avec des billets, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que je peux utiliser la jambe, là, qui me sert à rien depuis tout à l'heure, là? Elle est où, la jambe? Elle est là. Je peux pas la combiner, non, je ne peux que... Je l'ai jetée, voilà, je l'ai jetée. J'ai pas fait exprès, je l'ai jeté, bah c'est très bien. Attends, je vais manger, calme-toi. Regardez ce bon poisson là, il va être délicieux. El suculante. Ah, je vous le dis. Ah, je crois que c'est prêt. Alors là mon pote, le festin t'es même pas prêt.
Ah ouais. Oh, je lui bouffe la tête. Je lui bouffe la queue. Tout ce que tu veux. La totale. Pour 30 euros. Hop là, voilà, ça c'est fait. Merci, bonsoir. Bon, j'ai toujours aussi soif, malheureusement. Hein, mais voilà, on peut pas tout avoir non plus. Hein. C'est, j'arrête pas d'exagérer non plus des bonnes choses. Bah voilà, bah on va du coup monter, dormir. Et on va aller. Et on va aller dans le. J'allais dire dans le prochain épisode. Juste après, on va aller. Oh, saloperie, j'ai eu peur. Dans le village voisin. Voilà, je vais juste mettre ça à côté. Je sauvegarde comme je peux les petites bûches que je peux sauvegarder. Parce que mine de rien, ça fait le taf. Voilà, on ferme les volets, hein, on fait ça bien quand même. Voilà, je peux pas fermer. Voilà. Allez, c'est parti au dodo. Au dodo. Impec, le jour se lève. Jour 10 déjà, 6h17. Je fais une sauvegarde pendant que je suis en train de mourir de soif. Évidemment. Alors attendez, on va se faire un petit plaisir, j'ai un soda. J'ai un soda, on va boire le soda. Voilà. C'est le dernier petit plaisir. Parce qu'après on a pu. Hein. Voilà. En avant Guingamp. Direction le village. Du bonheur. En plus le jour se lève très tôt là. Enfin je veux dire on s'est levé très tôt. Est-ce que ça va nous porter chance? Je ne sais pas, mais on va y aller directement. Voilà, on perd pas de temps. Direction le village, les gars. N'oubliez pas le like pour m'encourager pendant le trajet, bien sûr. Donc c'était par ici. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Le fait qu'on se soit assommé nous-mêmes et qu'on se soit fait kidnapper, voilà, au moins on sait où on peut aller. Et ça, c'est cool. Eh, ça me paraît bizarre, ça. Pourquoi cette pierre me paraît bizarre? On dirait qu'on pourrait l'exploser. Ah. Par ici, les amis. Je me chie dessus, hein, voilà. Hein. Vous savez, vous vous imaginez bien. Je me chie dessus. Il y a des poissons qui remontent le cours d'eau, c'est magnifique. Ok. Je m'accroupis. Oh là. Ça fait des cris bizarres. Hein. Elle boit de l'eau, regardez, elle boit de l'eau. Voilà, elle a bu de l'eau. Hein? Tu bois de l'eau, tu m'as pas vu, j'espère. Ok. Voyons voir. Oula. Ah lui il m'a vu. Il m'a pas vu. Je me chie dessus. Attendez, vous vous rendez compte que durant la saison 1 je me suis jamais autant chié dessus. Pourquoi le jeu il me fait plus peur qu'avant? Ok. Je suis mort. Bonjour. Non mais je regarde si vous avez pas une marmite. Attends. Attends. Attendez. Ah. Allez salut. Vous êtes des bolos. Ah. Ok. Fini de rigoler. Hop, ça dégage. Hop, ça dégage. Toi, t'es mort, toi, déjà, je te le dis. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite. Oh là, madame. Ah! Ah! Ah!
Heureusement on prend pas de dégâts de chute dans l'eau hein. Ok. C'est l'heure de la bagarre. C'est l'heure de la bagarre. Attendez, j'ai fait diversion là en vrai. En vrai ça a fait diversion là. Regarde, j'ai juste à passer par là en vrai. Et c'est carré dans le banks. Normalement y'a plus personne là. Ah si. Salut. Ah. Salope. Attendez. Eh regarde. Cadeau. Alors attends. Y'a des trucs là. Ah. Oh là là. Eh c'est trop bizarre, j'ai l'impression que je suis déjà passé par là mais y'avait pas de village avant. Je vais réussir à avoir ce que je veux. Je vous le dis. Je vais réussir à avoir ce que je veux. Voilà, un peu de musique. Parfait. C'était ce qui manquait en fait. Ouais. Mort. Mort. Ah. Ok. Ah. Oh, t'as rien vu venir. Je parle plus. Une marmite, une marmite, une marmite. Y'a pas de marmite. Eh, tu relèves pas toi. Ok. Y'a pas de marmite. Y'a pas de marmite. Attends, là-haut. Eh, je suis un génie en vrai. Ok. J'ai fumé tout le monde ou quoi? Eh hey, madame. Bah voilà. Je viens de décimer un village. Eh hey, bonjour. Oh dommage. Ça aurait été beau. Bah madame. Madame. D'accord. Bah les amis, on n'a pas de marmite hein. je vous rappelle qu'on n'a pas de marmite. C'est un petit peu embêtant. Où c'est qu'on pourrait se balader en vrai? On a fait le tour mais on n'a pas fait le tour de l'île hein, clairement pas. On est déjà allé sur cette plage là-bas. Putain, ils font peur les animaux. En vrai de vrai, il faut qu'on fasse le tour de l'île hein. Il faut qu'on fasse le tour de l'île, mais le problème c'est qu'à pied c'est très embêtant. Donc là il faudrait qu'on se reprenne un... Ah bah on va prendre le truc électrique là, c'est pas grave. Très bien. Déjà on aura bien avancé. On aura fait quelque chose d'assez sympa pour le coup. Cool. Bah je suis ravi. Je suis ravi de ce qui vient de se passer. On a fait un petit peu de bagarre. Voilà, on a bien cherché le beau gel. C'est plutôt pas mal. Bah écoutez, je fais une sauvegarde et puis on va directement faire le tour de la map hein. Alors je dis qu'on va faire le tour de la map mais c'est plus dans le sens, on va rejoindre la plage en bas où on était déjà et on va faire le tour par là-bas. Durant mon let's play on avait fait le tour inverse. Bah là on va faire dans l'autre sens. Voilà, tout simplement. C'est parti. Hop, je prends ce dont j'ai besoin et je me barre par là-bas directement. Alors on va juste traverser l'eau d'abord parce que sinon on pourra pas. Voilà. Et hop, on est parti du coup les amis directement. Ça va être bien sympa. On va se prendre tous les arbres dans la figure. On va se retrouver bloqué, ouais. Attendez, on va trouver un chemin, ce sera pas mal. Voilà. Alors vous savez ce qui me fascine?
Ça veut me dire qu'on était passé par là au premier épisode de la saison 1. Ah, des indigènes. Et à aucun moment je m'imaginais que je m'installerais en face. Voilà. Pour ma petite analyse, bien sûr. Allez, direction le nord de la map. Pour de nouvelles aventures. Ah, c'est pas mal en vrai. Hein. En vrai, c'est pas mal ça. Hein. Comme moyen de déplacement. Alors, est-ce que ça passe? Non. Et ça, c'est un vrai problème. Ah, salut. J'ai de la visite. Ok, bon, c'est pas grave. On approche de la plage, c'est l'essentiel. On va longer le cours de l'eau. Le plus important, c'est de fuir. Voilà. Oh là. Ça passe. Ça passe. On est plutôt pas mal. Et on arrive sur la plage. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir un petit peu cheater, j'ai envie de vous dire. Puisque tout a respawn. Et oui. Tout a respawn. Donc on va refaire un tour là-bas au niveau du cadavre. Parce qu'on va pouvoir récupérer des munitions de pistolet. Et ça, c'est un cheat legit, j'ai envie de vous dire. Autant en profiter vu qu'on passe par là. Hein. Soyons pas débiles. Alors on va pas retourner sur le radeau. Mais comment je fais? Comment je quitte le... Allô? Oh non. Ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, on va en profiter. Comme ça on peut récupérer même de la nourriture. Ça. 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 Tout ça. Les munitions, elles sont où? Je ne sais pas. Elles sont peut-être pas là en fait. Là-dedans. Des grenades. Je ne sais pas si on a récupéré des munitions ou pas. Bon, en tout cas, voilà, au moins on sera passé par là. On va faire un tour par là, vérifier s'il n'y avait pas des trucs. Ça se trouve, il y a des nouveaux machins. Hein. Moi, je sais pas, hein, il y a peut-être des trucs ici. Hein. Ouais. C'est vrai qu'ici, c'est très isolé, il n'y a rien à faire là. Hein. Quand je pense que je voulais m'installer ici. Allez, on va faire le tour de la map. Du coup, vous voyez la falaise en face. Et ben, on va aller par là-bas. Et on va faire le tour, enfin un quart du tour en tout cas, je veux dire, au moins. Ce sera déjà plutôt pas mal. Hein. Allez. Il faut dire que ça avance vraiment super vite. À tout moment, on passe à côté de quelque chose. On va tout faire pour ne rien louper, mais c'est vrai que ça peut aller vite. Bon, là, normalement, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, sur le bord de plage. Ah. Ah. Déjà là il y a quelque chose. Bonjour. Je croyais qu'il y avait des indigènes mais en fait pas du tout. Alors on a de la corde, on a des... Ah. Il n'y a pas des huîtres à récupérer en vrai là. J'adore les huîtres. Hop, on récupère ce qu'on peut récupérer hein, en vrai. Hein. Putain les pauvres poissons. Ça c'est la pollution les gars. Bravo hein. Là ça va mener à nulle part. Donc on va juste monter là-haut. On va suivre le chemin. Voilà, il y a un petit chemin là. Je sais pas où. Voilà, juste ici. Impec. Oh c'est génial. Eh mais attendez. Oula. Ok, il y a rien. Il y a juste une tour de guet. Attendez, mais c'est incroyable. Je suis jamais passé par là. Mais il est génial ce chemin. Mais c'est génial ici. Attendez, c'est incroyable. Et là à mon avis il n'y a même pas de méchants hein. Wow, mais c'est génial, une petite crique. Là il y a moyen de pas se faire embêter en plus hein. Ok. Alors je vais peut-être continuer sur le chemin. Mais après on va rejoindre la plage quand même. Ok. Incroyable. C'est génial. Attendez, il y a un petit point d'eau là. On fait du tourisme, on est là pour visiter hein. Ok, très bien.
Et là ça mène à un cul-de-sac. Oh putain, on a un deltaplane ici quoi. Incroyable. Bon déjà on a un spot pour le deltaplane. Alors je vois pas l'intérêt ici pour le coup, parce qu'on peut pas aller vraiment très loin. Mais au moins on sait qu'il y en a un là, si jamais. Retenez bien. Oh. Attends, on est où là? Je pensais pas qu'on serait là en fait. What? C'est absolument incroyable. Et moi je suis perdu hein. Premier degré, je suis perdu hein. Alors, on va juste éviter de tomber. Ok. Je vous laisse profiter en même temps que moi. Voilà, on peut descendre par là, c'est bon. Putain. Ah, je me souviens, j'étais passé par là. J'avais descendu ici et il n'y avait en fait aucun intérêt d'ailleurs. Et au final, je me suis retrouvé sur la plage en bas. Voilà. C'est une superbe crique. Mais on est isolé de tout quoi. C'est ça qu'il n'y avait vraiment rien à faire. Et on était parti à gauche. Alors que ça aurait été plus intéressant de partir à droite. Donc on va partir à droite. Bon, il y a un point d'exclamation là-haut. On sait qu'on a besoin d'une carte magnétique de toute façon pour aller dans ce genre de zone. Donc c'est pas très important. C'est génial. Ok, bon j'espère qu'on va trouver des trucs intéressants et même nouveaux, qui sait. Ça peut être cool. Mais là tu vois, je me dis qu'on se ferait même pas embêter par les indigènes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là... Alors là, il n'y a pas vraiment d'arbres. Si, il y a des arbres, mais c'est pas ce qui va nous permettre de faire des grosses constructions. Mais si tu t'installais là, en vrai, tu serais pas trop embêté, je pense. C'est tellement reculé, mec. T'es tranquille ici. J'essaie de garder bien les yeux ouverts, voir pas qu'on passe à côté de quelque chose. Je pense pas, hein, sincèrement, mais... Quel plaisir. Bon, là, on va arriver à un point d'intérêt, je m'en souviens normalement... Si j'ai une bonne mémoire, ici il devrait y avoir des jumelles. Tout à fait. C'est bien l'endroit que je pensais. Il y a des kayaks et de la nourriture, des tenues et des jumelles. Nous avons des jumelles. Incroyable. Alors je vais pas les équiper parce que il y avait un bug à l'époque. Donc on va pas faire ça maintenant. Peut-être que le bug a été corrigé, j'imagine bien. Mais pour le moment, sait-on jamais. Voilà. Donc je vais pas équiper les jumelles. On verra ça plus tard. Ok. Alors on va continuer le long de la plage. Ça va vous rappeler les souvenirs pour ceux qui ont suivi la saison 1. Pour des raisons assez évidentes. D'abord on va juste remonter le cours là. On récupère ça. On récupère ça. Et on va juste manger une petite barre énergétique. Pour ne pas choper des tiques. Et on boit. Un petit Red Bull. Et c'est impec. Voilà. On va remonter par là parce que je sais qu'il y a quelque chose. Ah, voilà qui est gênant. Voilà. Alors là on est bien. Donc, un cadavre, un campement. Il lui manque une jambe. Pas du tout, c'est bon. On récupère tout ce qu'on peut. On met de la musique, on l'éteint, ça me saoule. On récupère des billets, on sauvegarde. Voilà, comme ça, il y a le checkpoint qui a été fait. Un petit... une tortue. Oh purée, je veux la tortue. Madame. Je suis un boss. Désolé, hein. Je suis vraiment désolé, je voulais pas te faire souffrir, sache-le. Mais la carapace de tortue, je la veux. Et évidemment, j'ai pas récupéré la carapace de tortue. Parce que c'était pas une tortue des mers. Et donc, je viens de sacrifier encore une tortue pour rien. Je suis dégoûté. Je viens de sacrifier encore une tortue, quoi. Je ne fais que ça, hein. C'est formidable. Très bien, bon. Allez. On repart. Et pour les grands nostalgiques d'entre vous, direction la plage dans laquelle on s'était installé, du coup, à l'époque. Il y a 3-4 mois. Bien évidemment.
ce n'était pas si vieux. Ça va vous faire bizarre et ça va me faire bizarre aussi de voir le spot sans construction. Puisqu'en effet, à partir de maintenant, nous étions censés voir des constructions que nous ne voyons pas à présent. Puisque je n'ai pas ma base là-bas, évidemment. Et on est où du coup là, par rapport à notre base actuelle? Ouais. On est au nord. On est au nord de la map. Très bien. Alors, je viens de chuter sur une tortue. Le destin des fois est bien fait. Hein. Y a pas de hasard, y'a que des rendez-vous. Non, c'est vrai pour le coup. C'était absolument ce que je recherchais. J'ai chuté sur la tortue, frérot. Incroyable. Incroyable. Hop, j'ai récupéré la carapace. J'espère. Laisse-moi vérifier. Voilà, j'ai la carapace là-haut, c'est parfait. Je sais pas si on peut en prendre deux sur soi. Je pense pas, normalement. Ça aurait été génial, tu vois. Parce qu'il a pas encore plu, mais justement, comme la pluie va être rare, autant faire deux collecteurs d'eau à la maison, quoi. Voilà, alors, là, ça devient intéressant par ici. En effet, nous avons une grotte juste là. Voilà, donc on ne va pas y aller, hein. Pas pour l'instant. Ici, on avait notre base qui était là. Là, je sais pas s'il y a des trucs à récupérer. Messieurs, bonjour. Vous êtes dans un sale état, j'ai envie de vous dire. C'est beau. Enfin, c'est pas vraiment beau, mais t'as compris. Oh, attendez, il y a le katana, bien sûr, s'il n'a pas changé de place. On va pouvoir choper le katana. Et ça, les gars, avec le katana, on va se mettre vraiment, vraiment yimbe. C'est par ici. Ah, ça, c'est gênant. C'est par ici, c'est même en face, hein, pour ainsi dire. Hop, voilà. Là, c'est clean. Oh, les souvenirs ici, mec. Incroyable. Ça fait bizarre de... Bah, qu'il y a rien, quoi. C'est là que je vous avais présenté le dernier patch, etc. Énorme. Bon. Donc si je ne m'abuse, il y a des trucs à récupérer là-bas. Bon, donc là, il y a des baleines ou des requins qui ont été échoués, malheureusement. Et si je dis pas trop de conneries, ça se trouve, je dis une grosse connerie, mais je ne crois pas. Ouais, c'est bon. Juste ici. Alors, on a des grenades encore, ça c'est pas mal. Et on a le katana. Ah non, c'est pas le katana, c'est une machette. Putain, je me suis fait couillonner. Bon, c'est déjà pas mal la machette, hein. En fait, la machette, c'est peut-être même presque mieux que le katana au final. Un peu dégoûté quand même. Hop, on va mettre ça en raccourci comme il faut. Qu'avons-nous d'autre? Eh, plutôt fructueux cet épisode, j'ai envie de te dire, mon ami là. Tac, on a du scotch. Ah. Voilà. Et là c'est cheaté parce que là il suffit de sauvegarder et relancer le jeu. Il y a tout qui repop, hein, donc ça sert vraiment pas mal. Oh oui. Oh, panneau solaire, magnifique. On va manger ça. Et là c'est pareil, je crois qu'il n'y a pas trop d'indigènes qui passent par ici. Bon, on va pas s'installer là pour des raisons évidentes, hein, parce que bon, on s'était déjà installé là au préalable une fois. Mais ça fait quand même plaisir, quoi. Allez, je save et on va continuer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, tiens? Est-ce qu'on continue de tourner ou pas? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est ça la vraie question. Attends, depuis quand il y a un étang là? Attends, ils ont rajouté un... Ah non, c'est depuis toujours qu'il y a de l'eau là-haut. Putain. La vache, ça la gigine. Et là, normalement, avec la machette... Voilà, je coupe super facilement les petites brindilles. Donc ça, c'est vraiment sympa. Moi, je pense que dans le prochain épisode, on va aller dans la grotte. En fait, on va s'en arrêter là pour cet épisode. Semaine prochaine, on va aller dans la grotte. Parce qu'on a sur nous de quoi avoir un petit stuff d'os. On a 4 armures de feuilles, 7 armures d'os. Donc c'est vraiment pas mal. On a une veste tactique d'ailleurs qu'on va porter maintenant, c'est nouveau, parfait. Donc voilà, on a une veste d'hiver quand il y aura de la neige. On aura moins froid. Putain, c'est génial. Et ouais, on va aller dans la grotte.
parce que je sais plus qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte. Mais voilà, au moins on a ça le mérite d'être à côté. On a tout ce qu'il faut, on a à boire, à manger. Donc vraiment pour le coup, on est plutôt pas mal. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Vraiment, hein, je compte sur vous. N'oubliez pas le like. Merci beaucoup à vous qui suivez ou resuivez l'aventure avec moi. Et nous on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. C'était Mkolo. Rendez-vous dans la grotte, qui est juste ici. Plein de bisous. Et ciao tout le monde.